C'est impossible pour une personne fauchée d'entrer dans une école pourrie. Mais avec un peu d'effort, tu peux y arriver. Je suis là. C'est où le cours? Mes potes doivent m'attendre. Mais je dois jeter les poubelles avant d'y aller. Mon sac! Opération de sauvetage lancée. C'est bon, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un ticket d'or pour une école d'élite. Wow. Je vais pouvoir étudier chez les VIP. Maintenant, Skyler est une élève à l'école d'élite. Voici notre nouvelle camarade. Installe-toi. Cette place est prise? N'y pense même pas. C'est pas un accueil très chaleureux. Waouh, c'est... Yes. Un distributeur de Nutella? Ça, c'est la vie! Mange autant de chocolat que tu veux. Cette école est un vrai conte de fées. Oh là là, j'en rêve! Dommage que le distributeur ne marche pas. Mais ils vont sûrement le réparer un jour, non? En attendant, je vais devoir manger des légumes. Il est temps de s'installer dans le dortoir. C'est sympa ici! Oh, quelle wow. pièce immense! Oh. Quoi? Il y a même une télé? C'est la classe! Je dois juste apporter toutes mes affaires. J'ai que deux ou trois trucs. Mon cactus va bientôt fleurir. Il lui faut un endroit ensoleillé. Et on va mettre mon tableau ici. Et évidemment, une belle couverture sur le lit. Maintenant, c'est cosy ici. Comme à la maison. Voilà ma coloc. Maintenant, cette chambre est pour nous deux. Vivre avec une nana fauchée? Hors de question! Liana, tu vas où? Mais comment je vais vivre dans cet endroit plein de carton? Je suis pas habituée à ça, moi! Le cours de chimie, c'est super intéressant. Toutes ces expériences! Et au fond de la classe, il se la coule douce. Maintenant, à vous d'essayer. Mélanger. Secouer. Et voilà! De l'or pur! C'est fastoche! Waouh! C'est de la magie chimique! C'est pas de la magie, les amis! Vous pouvez le faire aussi! Allez-y! Il a dit quoi, monsieur Thomas? Mélanger et secouer? On va découvrir le premier résultat! Liana a fait une bague en or! La réaction chimique a bien marché! Lei, par contre, a clairement raté un truc! Une chaîne en argent? C'est plutôt cheap, ça. Et l'expérience de chimie de l'élève fauché a complètement échoué. Montrez-moi vos résultats. Liana, c'est parfait. Ton or mérite un A. Lei, t'as fait quoi? De l'argent? C'est un C pour toi. Assieds-toi. Que va avoir Skyler? Désolé, monsieur Thomas. La réaction n'a pas marché. Tiens. Du carton, ça mérite pas une bonne note. La loose! Elle pensait à quoi, là? C'est toujours comme ça à l'école des riches. Pendant la pause, tout le monde s'amuse. Prends ça! Ces deux-là ont décidé de jouer à un jeu. Je vais vous donner une bonne leçon. Bim! Dans la tronche! Les ados riches jettent pas de papier. Ils utilisent des billets. C'est trop drôle! Mais ça va pas plaire au prof. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Thomas, on faisait que de... Pas d'excuses. En colle! C'est trop méchant! Nettoyer l'écurie? Quelle sale odeur! En plus, les animaux, ça fait flipper! J'ai peur, les... Où est-ce qu'on sort? Mais la pauvre élève est trop contente. Elle a jamais vu de vrai cheval avant. Et ses camarades de classe riches, eux, voient des balais pour la première fois. Allez, au boulot! Ça va prendre la journée pour nettoyer cet endroit. Skyler est vraiment optimiste. Faire du sale boulot, ça lui fait pas peur. Il y a un grand événement à l'école. Le concours du meilleur étudiant. Waouh! Qui refuserait un titre pareil? Certainement pas Lei et Liana. Ils sont pas juste amis. Ils sont aussi rivaux. Hé les gars, quoi de neuf? Celui qui donnera à Monsieur Thomas le meilleur cadeau sera le gagnant.
Donc c'est qu'une question de cadeau cher. Elle va devoir improviser. Monsieur Thomas. Yes. Ces vitamines sont pour vous. Monsieur Thomas. Yeah. Prenez aussi mon cadeau. Pas question. Liana ne laissera pas faire. Et ça recommence. Mais le prof n'a pas le temps de s'occuper de ça. La cloche sonne. C'est l'heure de rentrer à la maison. Les amis, arrêtez! Ça sert à rien! Les élèves sont prêts à tout pour satisfaire Monsieur Thomas. Comme par exemple, leur offrir un oreiller moelleux. En or pur! Faites de beaux rêves, Monsieur Thomas! Qui aurait pensé que les profs pouvaient dormir si profondément? Comment ce truc est arrivé là? Peu importe. C'est plutôt sympa. Liana perd pas son temps non plus. Monsieur Thomas a pas une super couverture. Elle vaut rien. Celle-ci est grave mieux. Maintenant, je vous laisse dormir. Et la pauvre élève va impressionner le prof par ses talents culinaires. Étant donné qu'elle peut pas se permettre d'acheter des cadeaux chers. Skyler, tu fais quoi ici? Je suis en train de dormir. Sors! Comme vous voulez, professeur. Ah, je peux même pas échapper à ces élèves dans ma propre chambre. Le cours d'informatique. On va ouvrir nos ordinateurs portables et se mettre au travail. Désolée, je suis en retard. Skyler trouvait pas son ordi. C'est pour ça qu'elle est en retard. Là, regarde. Tu risques pas d'aller loin avec une technologie en carton. C'est pas grave, je vais les ignorer. Les amis, concentrez-vous sur le devoir. Skyler peut tout faire sur son ordinateur en carton. Avoir des connaissances, il n'y a pas de meilleure technologie. Durant le cours de biologie, il y a plein d'accessoires. Le corps humain est tellement fascinant. Oh non! L'élève fauché s'attendait pas à ça. Elle va encore avoir un F. Réfléchis, Skyler, réfléchis. J'ai une idée. Du poulet. Je vais pouvoir manger comme ça en plus. Ça sent super bon. Ça va certainement pas plaire à Monsieur Thomas. What? Oh, trop cool. J'ai les os. On va faire un beau squelette avec. Quoi? Un squelette de poulet? La classe de Rich n'a jamais rien vu de pareil avant. Quelqu'un pleure. Liana, qu'est-ce qui se passe? Il m'a largué. Tu crois ça? Moi? Oh, Liana, c'est pas possible. Ça va aller. Il va le regretter, tu sais. Viens par ici, Len. Liana, ce loser a eu ce qu'il méritait. Maintenant, demande-lui pardon. Essaye pas de résister. Chérie, je suis désolée. Je voulais pas te faire de mal. Mais Liana ne réagit pas. Peut-être que des fleurs lui remonteront le moral. Bon, d'accord, je te pardonne cette fois. Merci, Skyler. Elle a sauvé deux cœurs brisés aujourd'hui. Skyler est une fille formidable. On doit juste cacher sa pauvreté. Ce qu'il te faut, c'est un beau maquillage. Son relooking se passe à merveille. Liana s'y connaît en look de luxe. Bébé, maintenant t'es prête à te montrer au monde entier. Suis-moi. C'est trop cool que Skyler ait une nouvelle pote dans sa nouvelle école. Regarde où tu vas. Ah, ouh, ça fait mal. Ça va? Mais pourquoi je suis ici? Où est l'école pour riches? Heureusement, tes meilleurs amis sont là. Skyler, t'étais passé où? On était inquiets. Les amis, vous savez quoi? J'étais à l'école des VIP. Ouais, t'as dû te cogner la tête super fort. Allez, dépêche. On est déjà en retard. Oh non! C'était juste un rêve? T'as aimé notre nouvelle vidéo? T'aimerais aller à l'école des millionnaires, toi? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ne rate pas les nouveaux sketchs à l'école sur les différents styles de vie sur Troom Troom.